Je suis Yosef Cohen, Jetlag Jérusalem, spécialiste de glace et de desserts extrêmes, mouchratim comme on dit en hébreu. Je suis le fils d'un glacier. Mon père était glacier en Tunisie il y a très longtemps, dans les années 60. Et depuis très longtemps, j'avais envie d'aller sur le même chemin. Presque 60 ans après, j'ai réalisé mon projet en quelque sorte. Quand je suis revenu en Israël, je cherchais une enseigne qui puisse me guider, qui soit de très bonne qualité, qui puisse me fournir des produits kasher, Beth Yosef, ce qui est très important pour moi et pour les clients. Et j'ai trouvé cette enseigne Jetlag et qui fournit des produits vraiment de qualité, uniquement des produits qui viennent d'Italie. La base des glaces, les sauces, des desserts, tout vient d'Italie. Et tout est strictement Beth Yosef. Enfin, là, c'est très simple entre guillemets, mais il faut un savoir-faire, il faut des produits de base qui soient de qualité, il faut une machine qui produit la glace, qui coûte assez cher et qui est très perfectionnée. Donc, nous, on est très particuliers par la qualité des glaces et par la spécificité de nos desserts. On est très connus pour notre pistache, on a chocolat belge, on a Oreo, qui est un peu particulier, on a le Lotus, on a des sorbets qui sont vegan, donc les gens qui ne mangent pas les œufs et le lait peuvent manger. Les sorbets parfaits sont faits avec la base et des fruits uniquement. Aucun colorant, aucun exhausteur de goût. Ah, bien sûr, c'est plus complexe, ça demande un savoir-faire. L'Israël, on aime beaucoup les choses qui sont un peu abondantes et sucrées. La problématique, c'était de faire des choses qui soient fines. Donc, je crois qu'on a trouvé ici l'équilibre entre l'abondance, le côté un peu excessif, les sauces, etc. Mais ça reste très très bon. Les desserts, ce sont des choses assez répandues, c'est-à-dire comme les pancakes, on va faire des choses comme ça, avec des sauces de qualité aussi d'Italie. Les gens aiment beaucoup et on a énormément de commandes, par exemple par Volt ou Tendis, par téléphone aussi. Alors, on vend les glaces par demi-kilo, par kilo. Les gens reviennent, ce qui est très important pour nous. On fait aussi un très bon chocolat à la française, c'est-à-dire c'est un choco façon Angelina qui est vraiment excellent, qui est servi avec la chantilly. Et en général avec des micro-croissants. C'est du chocolat chaud à l'ancienne en fait. On est près du Chouk Machane Yehuda, c'est un endroit extrêmement fréquenté. Alors, heures d'ouverture, on commence très tôt à 8h, donc on fait aussi des gâteaux, des croissants. Donc les gens viennent à 8h prendre un café avec un croissant, etc. Jusqu'à minuit. On vous attend chez Jetlag Jérusalem, qui nous rime extrêmement.